Salut à tous, c'est Christophe et c'est un nouveau Focus Logiciel. Aujourd'hui, on va parler de PC lent et bien souvent, enfin le premier test que je fais moi dans ces cas de figure, c'est de tester le disque dur. Alors pour ça, je vais vous présenter deux logiciels. Un qui va tester très rapidement le PC, en fait, qui va lire ce qu'on appelle la mémoire smart du disque dur et qui va vous afficher les informations. Et un autre qui va le scanner en profondeur. Alors on va passer de suite sur l'écran. Nous voilà donc sur la version écran. Donc on va faire une petite recherche Google assez simple qui sera Crystal, CRYSTAL, DISKINFO, Crystal Disk Info. Et là, on va aller sur le site de Crystal Mark. Encore une fois, je répéterai jamais assez, allez toujours sur le site de l'éditeur pour être sûr de télécharger la dernière version et surtout de ne pas choper d'autres saletés. Donc il se présente comme ça, ce site, et on va aller chercher dans les logiciels là, software, Crystal Disk Info. Et de là, on va descendre sur le téléchargement, standard édition. Voilà. Une fois qu'on l'a téléchargé, il arrive ici. On double-clique et on l'installe. Donc je l'ai déjà fait. J'ai mon icône qui est ici et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est mon disque dur à moi. Donc ici, si on voit ici, c'est correct. Correct, ça veut dire que tout va bien. Il peut être de différentes couleurs. Donc bleu correct, jaune prudence et rouge critique. Alors à partir de prudence, moi, je vous propose de changer assez rapidement votre disque, c'est-à-dire qu'il pourrait lâcher à n'importe quel moment. Critique, c'est carrément, vous devez déjà avoir des erreurs, ça doit déjà être vraiment très lent et il y a de vrais risques de perte de données. Alors maintenant, deuxième truc et astuce, si vous avez un peu plus de temps, il faut utiliser un autre logiciel qui s'appelle HDTune. Ça, il est plus long à utiliser, mais il va scanner en profondeur le disque dur. C'est-à-dire de temps en temps, Crystal Disk va dire que c'est correct, mais on a quand même des lenteurs d'écriture ou d'installation de logiciels. Donc ça peut être quand même le disque dur. Donc là, on va utiliser un autre logiciel. Allez, on repasse sur l'écran. Donc on fait une recherche Google HDTUNE. Hop là. Et là, bon, c'est le premier qui sort. De toute façon, il est sur hdtune.com. Donc on va sur leur site, on va directement dans la section téléchargement. Alors là, ne vous trompez pas, le HDTune Pro est une version payante, mais nous, ce qu'on recherche, c'est la version gratuite qu'on peut télécharger ici. Une fois téléchargé et installé, on a cette petite icône-là, HDTune, que je vais lancer. Tac, tac. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on est toujours sur mon disque dur NVMe d'un Tera ici. Si on en a plusieurs, on peut les sélectionner là. Et du coup, on peut lancer ici, dans la partie Error Scan, un scan ici. Alors, toujours pareil, je recommande le Quick Start, le Quick Scan, qui va vous permettre d'aller un peu plus vite et de tester, pas vraiment en profondeur, mais déjà ça donne une information. Et le scan complet, si vraiment on a des doutes. Mais là, on est plus. Voilà, moi, en tant que technicien, je vais utiliser assez rarement le scan complet parce que j'aurais décelé avant qu'il y ait un problème. Mais sinon, un scan complet qui peut durer assez longtemps, hein, faut compter peut-être une petite heure, en fonction, encore une fois, des performances du disque dur. Ici, ça scanne. S'il y a un petit carré rouge, c'est que c'est mort. De toute façon, c'est écrit là. Donc, du coup, là, il faut absolument changer le disque dur le plus vite possible. Donc, dans les deux cas de figure, vous avez testé votre disque dur. Si dans un cas ou un autre, vous avez un problème, c'est qu'il va falloir prévoir de changer le disque dur. Alors, à ce moment-là, soit vous avez les compétences pour le faire, vous le remplacez, soit sinon, allez voir votre revendeur de produits informatiques.
pour qu'il puisse vous faire le changement. Il y a vraiment deux possibilités dans les changements de disque dur. Soit on réinstalle la totalité du Windows, il faudra faire une sauvegarde de données avant et réinstaller tous les logiciels. Soit un professionnel pourrait vous le cloner, donc du coup vous allez pouvoir récupérer toutes vos icônes aux mêmes endroits, enfin ils vont faire un clone de votre disque dur. C'est une opération peut-être que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et à aller voir mes autres vidéos. Merci à vous! N'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos et ou si vous n'êtes pas déjà, à vous abonner à ma chaîne.